Déjà, nous souhaitons tout le monde un bon week-end sous télévision nationale d'Haïti et nous disons bienvenue dans la dernière sortie de téléjournal là pour la semaine. Ça, mais quelques points pour le développer dans le journal. Ça. À partir de la semaine prochaine, le chef gouvernement Jean-Henri Seyon a gagné une conférence chaque jeudi qui porte le nom Jeudi Petro pour informer sur l'avancée dossier Petro-Caribéa selon le secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. Sénateur Sud-Est, Dieupi Chérubin, lance un appel par collègue sénateur Lyo pour venir travailler semaine prochaine dans le Parlement. Selon élu Sud-Est, il y a plusieurs jours, pas de séance dans le Sénat République. La. Tout élève dans la zone tremblement terre 6 octobre a été touché, déjà tourné l'école. C'est sa ministre éducation nationale, la formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor, cadre fait qu'on est jeudi à. Pendant l'an précisé, il y a une disposition qui prend pour reconstruire plusieurs lycées dans la capitale là qui étaient écrasés pendant le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. L'autre point à gagner pour nous développer dans le journal ça, pour dernière semaine avant célébration journée langue à Kilti Creole là, qui prévoit fête dans ville Gonaïve 28 octobre cap vini là, Académie Creole haïtienne annonce yon ensemble activité culturelle journée ça a déroulé sous thème tant que toute langue créole gen règle en nous respecter yo. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump pour première fois admettre 18 octobre la probabilité pour journaliste saoudien Jamal Khashoggi perdu la ville. Cependant, États-Unis décide de bailler un délai en plus à l'Arabie Saoudite pour expliquer disparition journaliste là. Amis téléspectateurs, n'a tourné après pause là développement téléjournal là et puis en pile l'autre information. L'autre fois, nous avons salué tout le monde et remercié nous pour fidélité nous à la télévision nationale. Nous allons recevoir prévisionniste nous, Wilner Polidor, qui prend le palais conditions temps. Bonsoir Wilner. Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité. On a vu comment la situation météorologique là est sous région Caraïbes. On tropicale qui était activité la pluie hier soir sous certains départements commencé à éloigner de pays d'Haïti. Il a commencé à faire place avec un masse qui plus ou moins stable sous pays. Et c'est pour ça, jeudi, on a partagé avec un temps qui ensoleillé avec un bel soleil sur majorité département. Sauf que, en soirée, au cours de nuit, il y a quelques petites pluies convectives qui étaient possibles, mais dans ensemble pour pays d'Haïti. Pour jeudi, c'est un temps cap gain soleil avec vent cap venté avec quelques petites gouttes la pluie en soirée. Et nous avons un week-end aussi cap très stable. Samedi et dimanche, c'est bel soleil avec vent cap venté sous pays d'Haïti. Pour capitale là avec zone qui environne l'eau, encore n'a bien un temps qui clément avec soleil et vent sous capitale avec zone qui environne l'eau. Mais en soirée, sous mon nacelle avec au sud ou au sud-ouest de capitale avec zone qui environne l'eau, il y a possibilité pour gagner quelques averses isolé en soirée, mais c'est vraiment très très isolé sous quelques quartiers. Et n'a bien température à cap à la hausse jusqu'à 35 degrés pour aujourd'hui et la descente 24 degrés au cours de nuit. Cela veut dire que n'a pas senti effet de chaleur non seulement au cours de journée, mais en soirée. Et pour capitale là, pour samedi et dimanche, n'a bien un beau temps, sauf que toujours une possibilité pour gagner quelques petits gouttes de pluie en soirée sous capitale là avec zone qui en vie on est lieu. La mer a pas gagné trop souci, capitaine est capable de naviguer seulement fort éviter le large par rapport avec zone de haute pression qui renforce soit l'Atlantique Nord. Il faut faire attention parce que vent capable d'être très fort au large et pour cela, il faut éviter de rentrer dans la mer. Mais près des côtes, il n'y a pas de souci pour être capable de naviguer parce que la mer à l'ap peut agiter sous zone côte nous. Et pour page astronomique, là, sur la pleuve jeudi à coucher jeudi à 6h23 minutes et l'ap levé de matin à 6h45 minutes. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé lundi pour notre page météo. Bonne fin de journée, bonne soirée à chacun de vous. Bon week-end, tout le monde.
Merci à Wilner Polidor et bon week-end tout. N'a pas démarré avec le sénateur Sud-Est-là, Dieu Pi Chérubin, qui lance un appel par les collègues et sénateurs pour le travail semaine prochaine dans le Parlement. Parlementaire qui a réagi sur le fonctionnement Sénat qui n'a pas fait séance depuis quelques temps, confirmé santé président Assemblée nationale Joseph Lambert, pas en forme, mais pour qu'on y a, l'y rétabli. Gé convocation pour tous les sénateurs lundi prochain dans le cadre de la réunion. Yon extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Nous regrettons la situation Sénat, la situation Parlement haïtien. Nous souhaitons que de jour en jour, il y ait plus conscience qui prend pour que le Parlement li travaille beaucoup plus dans l'intérêt pays et pour le pays. Nous regrettons, nous n'avons pas pu près un mois là et que le Sénat ne fonctionne pas. Il fonctionne dans ses composantes, mais il n'a pas fonctionné dans l'intégralité, dans l'ensemble. Nous avons une séance pas faite pour nous prononcer nous sur une série de sujets qui est extrêmement important, tel que le Sénat doit prononcer là, même avec une résolution en ce qui a trait à la décision qui doit prendre là sous question Petro-Caribéa. Mais pour l'État, en santé président qui était dans dernière semaine ça a cause tout pas même des tentatives de séance parce que le vice-président est en voyage et le président du Sénat il est empêché, il est malade. Cependant, bonne nouvelle, il y avait plus de peur que de mal. Il y avait aussi beaucoup d'exagération sur réseaux sociaux et que le président comptait rentrer dans le pays d'ici jeudi ou bien demain. Dès lundi, nous avons une convocation à 11h du matin pour que nous réunions et nous souhaitons que, même si ce n'est pas en séance, dès lundi après-midi, nous mettons nous au travail et que mardi, mercredi, jeudi, nous allons reprendre le travail normalement. Ma profite de dire, samedi là, il dépend de conscience et de effort chaque grand sénateur qui a voulu faire pour que yo connaît que peuple ça qui baille taxe li yo paye yo et bien ou pas qu'à prioriser travail personnel yo sous travail population travail collectivité a n'attend yo pour vini pour que yo montre que yo utile à la population. Tout élève dans zone tremblement terre 6 octobre là été touché, déjà tourné l'école, c'est sa ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Kader fait connaître. D'après ministre là plus passé yon soixantaine l'école té recevoir gros frappe pendant tremblement terre qui té frappé dans grand nord pays là. Puis loin, li fait connaître de l'état déjà prend disposition pour reconstruire l'école qui té écrasé à réparer sa qui endommagé. Ministre Lant est dans le micro Ruben Dumont dans le cas de mission mise au point sous TNH. Plus la question tremblement de terre qui était frappé particulièrement département nord-ouest, nord, en partie dans la Timonite. Comment état de lieu à l'Ekounia là? Est-ce que l'école qui était frappée ou un travail qui fait? Est-ce que l'activité de l'école reprend normalement dans la commune qui touchait par tremblement de terre? C'est là? Bon, et question très courte, même s'il gagne un pile aspect là-dedans. Et il faut que nous disions tout, tremblement de terre, ça, tout le montre, nous mettons en évidence responsabilité de l'État. Donc, immédiatement, dans le jour 6 octobre, là, tremblement de terre a été fait, et bien sur le champ, et bien, tu gagnes l'État qui t'a mobilisé. Et par exemple, nous avons fait une mise en contexte, parce que nous pensons que la société a besoin comme ça. Donc, dans le jour, ça, qui est 6 octobre, là, moi-même, comme ministre de l'Éducation, je suis sorti de Washington, suis parti dans le 8e sommet Commission interaméricaine éducation. Le président Jovenel Moïse lui-même m'a rencontré dans l'aéroport, qui a parti à l'Ocap, dans l'Odesse, là il a participé dans le funérail de ma tante qui est mort. Le premier ministre lui-même, à toute autre ministre, était à quelques kilomètres de Port-au-Prince, dans la retraite gouvernementale. Immédiatement, tremblement de terre, le président Jovenel a abandonné Nord-Est, funéraire, ma tante Lian, lui rentrer, vient concerter avec le Premier ministre qui a abandonné la retraite là et il a mobilisé pour faire tout le bagage la même. Donc, quitte ses collègues de données, eh bien, le gouvernement lui-même qui a pris toutes les données et tout le bagage était en action. Maintenant, dès le lendemain, ni le Premier ministre ni le président, avec un pile ministre, tout, ils étaient déjà rendus dans la zone qui touchait, notamment dans Goumon avec dans le port de paix. C'est comme ça. Nous venons rapidement faire bilan pour l'école. Nous venons gagner 79 écoles qui endommagées. Il y a 5 nous-mêmes qui détruites net. Dans 79 là, il y a 55 qui sont dans le nord-ouest. Il y a 14 qui sont dans Goumon
et nous gagnons 10 et qui n'en ont. Mais immédiatement, qui ça nous fait? Il y a une grosse équipe qui sortit dans le TPDC. Non seulement on a regardé côté qui touche, qui a des fissures, on a regardé dans qui état qui est, est-ce que vous travaillez? Mais en même temps, tout des bâches qui débarquent dans Goumon, dans le nord-ouest, tout, côté nous dit aujourd'hui, il faut que nous évitions le phénomène titan tribobabor. Donc nous dit en attendant, eh bien, tout côté de l'espace, nous venons avec bâches, nous faisons des constructions légères pour que nous soyons capables de suivre Kouyo. Parce que nous connaissons l'importance et le temps d'apprentissage dans le résultat, dans la performance que nous dans l'école. Donc aujourd'hui, là, tout côté ça, même si il y a l'école qui pourrait construire, mais si vous n'avez pas perdu les bénéfices, vous prenez peine de l'instruction. Ça veut dire que Jodia n'a pas lié là. Tout le monde dans le département qui touche, dans la commune qui touche, particulièrement Port de Père Gaumont, dans la salle de classe, il y a Soufko. Dans la salle de classe. Toute l'école qui était frappée, toute l'école. Oui, donc nous, l'État qui est rapidement, fait tout ça pour faire, même si l'école est reconstruite. Mais il faut que nous disions, dans 79 là, c'est 5 ans qui méritaient reconstruire tout le monde. Et 31 de Théâtre, bah, l'État a une autre possibilité. Parce que pendant le tremblement de terre, nous avons regardé, nous avons plus fort collège, plus fort l'école qui victime ces collèges. Par exemple, dans le nord-ouest, dans 55 ans, il y a 26 écoles l'État, il y a 29 collèges. Mais l'État lui-même lui dit que il n'est pas seulement là pour réseau public là dans l'école qui victime, il faut qu'il encadre tout réseau privé. Tout. Parce que pas de l'État, c'est l'État. Donc même s'il y a l'école l'État, l'école publique, mais toute l'école non publique, tout, c'est sous compte d'État et tout. Le gouvernement haïtien a paré pour reconstruire une centaine d'écoles, parmi eux plusieurs lycées qui étaient écrasés dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. D'après le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, là, Pierre Josué, Agénor Kader, le ministère a déjà lancé appel d'offres pour une série de travail construction. Une série de travail qui pral porter soulagement pour élèves qui tapent apprendre dans des conditions difficiles, d'après le ministre Kader. Dans l'État, nous prenons toutes précautions. Donc, quelle que soit l'école qu'a construit là, parce qu'actuellement, là, nous avons plus de 100 l'école en construction. Là, dans l'Ouest, nous avons toutes les sites détruits dans 12 janvier qui étaient construits là. Ils ont déjà lancé appel d'offres pour eux. Nous avons lycée des jeunes filles. Nous avons lycée qui a fait là lui-même. Ils ont fait que les directeurs. Nous avons lycée 40 qui fait construit. Nous avons lycée Daniel Fignolet, là, appel d'offres déjà lancé depuis le 2 octobre qui se passe à la puis reconstruit. Donc, toute lycée qui est écrasée le 12 janvier, 8 ans après, l'administration, eh bien, Moïse, là, lui-même, il prend en charge pour reconstruire. Et nous dit, trois lycées, ça, nous, qui ont un problème, non, trois locales, ça, eh bien, l'État est en fait gros et réflexion sur ça pour capable rapidement relocaliser. C'est pas là on va arriver privé pour nous dire si nous te connaît. Donc aujourd'hui nous avons l'État non seulement qui responsabilité mais qui fait tout en pile prévision et aujourd'hui à tout en dans ministère éducation nationale avec direction génie scolaire. Donc il y a des plans type, il y a des plans standards. Par exemple, regardez quelques côtés, mon yota pense que l'école là ta doit construire rapidement. Non, c'est ça que mettez nous dans ça nous aujourd'hui là. On va construire l'école du matin au soir. Donc grand pile bagaille qui vous fait aujourd'hui pour nous construire l'école. Premier ça nous fait, là n'a pas construire l'école côté. Faut regarder, est-ce que terrain sont terrain qui n'ont pas de problème? Est-ce que nous faisons études topographiques, nous faisons études géotechniques? Un problème sérieux comme ça, l'État prend en charge parce que la nation demande des comptes. Et l'État lui-même, notamment le président Jovenel, la justice déjà saisit des questions ça. Mais je dis là, nous voyons que vous faites tourner au paquet de bagaille. Est-ce que c'est parce que vous avez compte pour justice ça, David, mais vraiment pour tout caribé, qui fait ouvrir des tunnels? Bon, bien entendu, des fois tout, il y a des gens qui ont pris les volets et ces volets qui ont dit à bas volets. Donc, tu as pensé que l'élève sérieux manipulé? Il y a une manipulation des élèves. Et son bagage qui, c'est pas aujourd'hui, en fait. Son bagage qui est tradition, même en Haïti, côté, les gens voulaient servir avec les écoles pour régler les affaires par eux. Et ça, nous toujours condamné. Depuis avant que je sois ministre, je suis journaliste, je suis professeur, je suis écrit dans le journal, je suis condamné à pratiquer ça. Nous, si les gens, parce que l'offre agit comme ça, ou violer la convention, droit de les gens. Parce que l'être, Gampin, c'est mineur. Gampin, c'est mineur. Donc, si vous avez même place dans l'école, il vient apprendre. Élève l'école a une revendication, certes. Donc, si l'élève a manifesté vraiment pour reconstruire l'école, ça sont belles revendications à poser. Même d'où que tout ça a posé comme revendication, il a déjà adressé. Parce que vous connaissez tout. Par exemple, Daniel Fignolet, lui-même, depuis l'année passée, directeur de l'école lycée, ça, élève, nous avons même visité, nous avons parlé de ça. Et vous avez tout dans le journal. Et 2 octobre
qui sont passés là dans la nouvelle liste, dernière étape la franchie, côté appel d'offres la lancé pour reconstruire. Donc nous d'accord si nous sommes capables de faire passer des revendications, mais des fois tout, ils ont quitté les gens infiltrés dans un mauvais mouvement. Ça. Parce que j'ai un bon exemple qui est passé. Et du Paul capable de témoigner de ça, Abdoula. Gonler gagne dans le lycée Horacius Laventure, dans Delma, il y a eu un mouvement. Il y a eu trois mouvements. Donc, Edi Paul était là, l'a suivi, parce que Edi Paul là lui-même, depuis 2015, il a accompagné Timounio sérieusement. De faire un compte avec eux, bah, au bon genre, moral, etc., former Timounio pour ne pas marcher avec Timounio, taffer dans le poche, pour ne pas flâner sous champ de masse aux heures de cours. Donc, Edi Paul aide nous en pile dans ce sens. Et bien, là, Edi Paul garde les trois mouvements, ils sont en uniforme. Finalement, il y a eu un noyau qui balayait. Il y a une responsable de l'école là, la terre. Donc, ça vient interpeller les policiers et du polio. Il y a eu trois mouns ensemble. Il y a eu un petit groupe de trois. C'est là le question. Il y a eu c'est pas moun qui l'école vrai. Et pourtant, il y a eu un uniforme. Aujourd'hui, là, il y a un uniforme. Là, y a, par contre, est-ce que c'est bon élève? Est-ce que c'est mauvais élève? Donc, c'est comme ça que tu prends. C'est trois boss maçons qui sont au travail. Et puis, bon moun qui est le tête du syndicaliste. Et puis, qui est habillé, qui a le fond mouvement. Donc c'est et puis ça qui gagne causé là. Donc Sam Abdoula du monde ou mettre joindre responsable et du polio Abdouli pour capable confirmer Sam Abdoula, c'est un syndicaliste entre guillemets qui vient débarquer vient faire des marches pour la guerre. Tant que récemment nous avons quatre qui étaient non il était pas vraiment et parce que tu venu en flagrant délit à poser des actes qui pas répondre à affaire timon l'école. Parce que leur timon l'école gon Jean Bouyé. Leur professeur l'école gon Jean Bouyé. Donc il est au prend timon ça là avec gon monde qui a la radio. Il dit qu'il y a plus de façon 20 ans qu'il a arrêté. Et pourtant, tout le monde allait immédiatement en même temps de ça, en tant que ministre, vous voyez une équipe ministère à l'un commissariat. L'arrivé vraiment, il y a seulement 4 personnes qui sont élèves. Il y a un qui ont pantalon et uniforme sous lui, mais il n'y a pas d'uniforme sous lui. Et puis, il n'y a pas de badge, il n'y a pas de dépliant, il n'y a pas de 10 élèves. Donc, c'est après, il y a cherché, demandé qui l'école est, il y a eu 4 vraiment ces élèves qui étaient dans le mouvement, mais plus fort l'autre, ils ont arrêté, ils n'ont pas rien pour avec l'école du tout. 4 élèves se sont libérés, je ne sais pas. Ils ont libéré depuis hier matin. L'autre point, Mam Académie Créole haïtien a annoncé une série d'activités pour dernière semaine avant célébration journée langue Kelti Créole là qui prévoit fête dans ville Gonaïve 28 octobre Cap Vinila. Journée ça l'a déroulé sous thème tant que toute langue créole gain règle en nous respecter yo. Responsable prévoit faire activités littéraires, culturelles, débats, vente signature livre avec une soirée hommage pour Maurice Sisto, qui ses personnalités données pour journée langue à Kelti Créole. Un reportage, Falan Delphin à Kervé Pierre. Responsable choisi Anessa Gonaïve pour célébrer journée langue à Kelti Créole là. C'est pour l'occasion pour intervenir au Chita dans diverses institutions dans le département la Tibonite là pour faire formation pour professeurs et journalistes dans le domaine communication et transmission et aider aux jeunes plus connaissances dans la créole là. Pour secrétaire exécutif Académie Créole Haïtien Luna Goug, activité Académie Créole Haïtien déjà un gros impact sur société a surtout dans système éducatif là. Nous ka di Académie Créole Haïtien gon impact considérable dans société a. Le nous fait paraître en 2014 et te grand pile réticence même dans la presse. Gen la presse ou invité ou pas venir. Kounya c'est la presse qui vient joindre nous. Dans l'école yo gen de côté dans l'école refri pour faire conférence yo di a chercher date kounye là c'est l'école qui a voyé invité académien kounya grand pile l'école qui prend conscience qui fait éducation bilingue le expliquer le en créole c'est vrai tout trouve grand pile ouvrage en français yo mais yo conscient que c'est en créole pour lier et faire explication en français avant pour ba ti moun yo livre là pour comprendre donc don impact. Non, nous dérivons d'un côté à porter plainte par nous que y a l'école qui a calé tout le monde, qui a parlé créole sous la cour l'école ou bien en classe. Il y a maltraité au milieu campé dans le soleil, fait ramasser fatra dans la cour l'école là parce que yo joine yo a parlé créole alors que c'est langue tout le monde, c'est langue ça gagne pour le parler. Donc nous avons un problème dans la société, il y a un préjugé qui est extraordinaire, qui est terrible. En pile qui fait tout le monde a projeté ça qui pour yo, il a projeté personnalité yo, il a projeté identité yo, il a changé couleur yo. Parce que justement, la société n'a pas offert yo, en quelle façon pour faire promotion tête. Yo. Et ça a commencé à baisser. Depuis la création AKA, dans l'année 2014, c'est sensibilisation et promotion qu'a faite pour la langue créole.
pour 4 autres années qui viennent là, politique publique académie créole haïtienne pral chita sur application loi qui gain pour avec utilisation langue nan dans administration publique ou privée dans pays a. Académie créole haïtienne créée par constitution et même constitution ça a dit créole c'est langue officielle. Nous sommes à l'article 5 là, celle langue qui se mette tout haïtien net ensemble, c'est créole, créole avec français c'est langue officielle pays a. Donc langue officielle veut dire langue nationale, langue qui pourra aller dans tout côté qui gagne administration dans pays a. Public kakou privé. Son langue qui pour paraître tout côté au passé, faut joindre des formations dans deux langues et faut joindre les d'abord en créole en grand plan, avant pour mettre le français en petit plan parce que créole la mette, constitution mette créole là avant. Un projet qui est important pour l'académie créole haïtienne, c'est travail sur champ lexical pour différents domaines qui constituent société. Dans l'académie créole, nous avons un grand projet qui c'est un grand dictionnaire technique. Nous avons un grand dictionnaire technique académique à élaborer. Depuis l'année passée, nous commençons à mettre mise en place et pour nous commencer à mettre ça avec question justice là. Nous commençons avec la justice parce que nous avons une pile pression de avocats, de monde qui condamné qui pas comprendre jugement yo, c'est là yo mettez menotte dans brali, li connaît le condamné tout ri la pour lui dire avocat parler français, li connaît le confiant, connaît le bon et puis là regarder wa yo menotte li voit que c'est condamné, le condamné. Donc nous t'ai en pile pression comme ça et ça fait n'a travaille son dictionnaire juridique. Donc il t'a supposé commencer là d'ici octobre n'a attendre le budget parce que nous dans pipe pour et qui c'est programme investissement public là nous gain 10 millions gourde dans pipe là pour nous faire dictionnaire juridique là. Après ça on apprend éducation, on apprend la santé, on apprend agriculture jusqu'à ce que nous avons un grand dictionnaire terminologie et technique pour tout métier yo qui en Haïti. Moi langue ak kilti créole là t'est lancé 5 octobre passé à dans Ciné Triomphe. La bout 31 octobre qui vient là. C'est dans la ville natale, l'audience c'est Maurice Sixto, journée langue à Kilti Creole a célébré 27 octobre qui vient là. Même gens à 16 autres pays dans le monde là qui parlent créole, Académie Créole Haïtien invite tout le monde à célébrer langue à Kilti Creole yo avec fierté. Merci Falanda Kervé, premier secrétaire Sénat haïtien, sénateur Diopi Chérubin, encourager gouvernement créer conditions pour permettre procès Petro et sous-gestion fonds Petro-Caribéa arriver réalisé. Parlementaire mandé toute institution qui gain rapport à dossier ça, travail pour gain lumière qui fait dans cadre dossier si là. Yo extrait dans micro Fedner confident avec Fresnel Toussaint. C'est pour l'État montrer peuple haïtien et ceci dans un délai qui n'a autant qui pas trop long. C'est pour toute institution qui concerne. Il y a un pile bagaille qui a fait qu'on y a dans deux ou trois semaines. Il y a connaît des monde qui indexé, il y a connaît des institutions qui indexé, il est capable tout de suite commencer à montrer que il est sérieux par rapport à dossier Petro-Caribéa et que peuple haïtien capable. Moi t'a conseillé tout que yo fait yo encadrer ou bien accompagner de certaines instances internationales qui ca rassurer population an, beaucoup plus et que justice la Petro-Caribéa la privé fait. Donc m'gien doit pas prendre position même avec tout le monde qui prend devant parce que m'gien doit pas gagner même intérêt politique et puis m'gien doit un peu moins démagogue. Parce que je dis, il y a un bagage que nous constatons dans la classe politique haïtienne, c'est l'aspect démagogique. Et aussi, un bagage qui étonne tout, c'est avec niveau audace que nous avons fait politique. Ça veut dire, nous n'avons pas peur du tout. C'est le pigou voleur, mais si vous ne connaissez pas, ou bien parce que les font gens là pour ne pas répéter, dit ce voleur, et puis pour l'autre, c'est lui qui a calonné comme voleur. Moi-même, niveau audace, ça, je ne dois pas avoir courage pour m'utiliser. Mais pas gen personne moun ki ka pa kon position par rapport à Petro-Caribé et m pa di li en cachette m di yo tout côté m di sou radio mais m pa gen intérêt politique peut-être m'a fait conseiller de bagarre même Jacques tout le monde et ça fait nous dit que journée jodi an là gouvernement gen pour responsabilité même leur propre petite yoté indexé dans Petro-Caribé pour que yo voye des signaux positifs et montre population rapidement et m'a répété encore avant nous arriver dans dernière semaine pour 18 novembre non gouvernement parlement toute autorité gain pour responsabilité pour yo assurer peuple haïtien et que pas justice pour le fait ou bien ab gain procès non mais gain processus ça qui en cours et yo remarqué yo commencé travail sur lui.
plateforme nationale secteur populaire haïtien encourager administration Moïse et gouvernement séant pour renforcer la justice yon façon pour permettre procès Petro Caribe arriver organisé dans pays. Président Plan Spa, professeur Dieudonné Lérisson exige yon enquête sans force côté rive fait sous dépense l'agent fonds Petro Caribe ça pa Caribea ça cap permettre population joindre plus lumière sous utilisation l'agent ça. Professeur Dieudonné Lérisson dans micro Saint Kwapaki ak Micho Joseph. Secteur populaire campé derrière procès Petro Caribea. Dossier Petro Caribea, c'est dossier chaque grenadien. Le secteur populaire nous demande, faut que nous connaissions comment chaque dollar, chaque goutte est dépensé dans l'argent Petro Caribea. Nous demandons président Jovenel Moïse, c'est majorité qui te vote. Majorité a demandé justice. Mais majorité peuple a pas de coup d'état. Nous demandons président Jovenel Moïse pour le voir un signal clair. Tout grand commis en de l'état que nous avons cité dans le dossier Petro Caribea, il faut que vous révoquez sans perdre du temps. Secteur populaire haïtien, demandez révocation Mounsayo sans perdre du temps pour procès Petro Caribea capable de commencer d'une façon pour Petro coup d'état capable d'échouer. Selon yon tweet, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis, à partir semaine prochaine, chef gouvernement a organisé jeudi Petro dans l'idée pour communiquer avec média yo et puis population sous évolution dossier. Décision ça fait partie ensemble disposition gouvernement à prend pour faire lumière sous gestion fonds Petro Caribea. Rencontre qui te prévoit vendredi 19 octobre là entre commission intérieure chambre députée a avec ministre intérieur et collectivité territoriale là pas arrivé faite d'après président commission intérieure chambre députée a Deus Deronette député ont voulu discuter avec ministre là sous trafic visa qui t'a gagné non ministère à comment gouvernement gérer question frontière Haïti avec Saint-Domingue yon extrait. Jeudi, nous t'étions gagnés à 10h, en séance ensemble avec le ministre intérieur sur le scandale que j'ai gagné dans le ministère intérieur sur la question visa et sur la question gestion frontière. Là. Mais c'est jusque hier à 3h que la Chambre députée a recevoir la correspondance qui dit que le ministre là, lui-même lui dit qu'il a des bagages qu'il a réglé et que il a des rendez-vous qui sont placés bien avant rendez-vous, il doit honorer, il n'est pas capable de répondre à l'invitation de la commission intérieure. Demandé un report et il peut proposer date et l'équité li à discrétion chambre députée qui a testé disponibilité pour faire rencontre là. Et puis il y a un député Boukan Karia, Jude Jean, qui exprimait préoccupation sous mauvais état route la trouvée journée jeudi. Parlementaire a fait qu'on est important pour route sa fête parce que li joue un gros rôle dans le commerce pour la commune là. N'a pas suivre. Vendredi 19 octobre 2018, commune Boukan Karé levée et avec une situation qui est vraiment alarmante parce que route Boukan Karé a quitté déjà une situation pitoyable, les coupé en deux et actuellement et pas gain aucune capacité pour que et yon moun ki non voiture, yon moun ki non machine ou rentrer dans ville Boukan Karé. Chaque vendredi c'est jour marché, nous gain marché là Domon et nous gain marché dans centre ville Boukan Karé et machin aujourd'hui a pas qu'arriver dans centre ville là pour y aller vendre et moun ki sorti dans différentes sections communales qui viennent dans marché et qui viennent vendre des produits
que ce soit des produits agricoles ou autres, et des machines, il y a des marchands qui sortent si pour au prince ou bien ailleurs pour venir acheter produits, donc moun yo pas qu'à liquider produits, et il y a des moun tout qui gagne des produits de première nécessité, c'est le marché à pour approvisionner, donc yo pas qu'à joindre produits ça parce que route là li coupé en deux. Donc il y a des démarches en tant que député qui représente circonscription que me commencer faire déjà, et nous t'ai assuré nous que gouvernement li classé route ça la priorité parmi route que doit construire et dans le département du centre, et le route là t'est commencé couper. Donc nous t'ai rencontré avec premier ministre là, nous t'ai parlé avec président de la République là pour intensifier démarche pour construction route là commencer. Mais cependant par rapport à urgence là, nous déjà parler avec ministre travaux publics, nous parler avec toute autorité qui concerne eux pour que yo aller plus vite. Donc nous voulons informer population que nous pas indifférent par rapport à situation ça parce que c'est route pas nous. C'est moment pour nous prendre une deuxième pause dans téléjournal ça, pas déplacer amis téléspectateurs, n'a pas tenir à créer information. Centre Revive inauguré vendredi 19 octobre là, yon centre santé nan Paco. Centre ça pral aider nan traitement différents pathologies nan santé mentale, tant que stress, pression travail, préoccupation amoureuse ak l'autre encore. Directeur centre Revive là, docteur Hans Lamar ak directrice clinique là Valérie Alix présenté différents services kap disponible nan centre ça. Équipe kap travaille nan centre là un psychologue et infirmière pour recevoir patients yo. Nous invitons à suivre explication yo dans micro Stéphanie Charles et Hervé Pierre. Le centre Revivre est un centre médico-psychologique dont l'activité sera centrée sur le traitement des différentes pathologies en santé mentale. Il faut comprendre la santé mentale comme un continuum. Un continuum à la fois en intensité de symptômes et en gravité. Et on peut dire qu'à un bout de ce continuum, nous avons tout ce qui peut affecter notre vie de tous les jours. Et là, je pense à différents stress, tels que des stresseurs familiaux, conjugaux, des stresseurs au travail, des préoccupations amoureuses, jusqu'à arriver à l'autre extrême qui est constitué par les maladies psychiatriques. Nous avons aussi des psychologues, des infirmiers qui constituent, je dirais, l'équipe de professionnels que nous avons ici au centre. Nous offrons un service complet, d'où la raison que notre équipe est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des infirmiers et infirmières sur place en tout temps. Nous avons les psychiatres, les médecins généralistes et d'autres médecins spécialistes. Nous avons aussi l'équipe de psychologues qui sont avec nous, et nous avons aussi la sécurité qui va dans le même sens pour la clientèle en tout temps. Et après, si on regarde, on a les services en externe, c'est-à-dire nous avons 4 bureaux de consultation où les gens ils peuvent quand même rester à domicile et venir, ça peut être sur une base hebdomadaire, faire des rencontres individuelles avec leur thérapeute, mais aussi ça peut être aussi pour un suivi pour la médication avec le psychiatre ou avec le personnel infirmier, si on veut ajuster ou débuter, voir comment la personne réagit. La possibilité aussi, certains médicaments requièrent un suivi sanguin, donc le suivi peut venir se faire aussi à l'externe. On appelle ça surtout les services ambulatoires. La veille, célébration 17 l'année existence médias alternatives, 20 octobre là, yon équipe télévision nationale d'Haïti visité et puis Chita Palais jeudi à ak responsable yo sous réalisation yo pendant 17 l'année. Louinel Jean-Louis ak Henri Robert Chiri te fait déplacement. 20 octobre 2001, 20 octobre 2018, ça fait 17 l'année depuis groupe médias alternatifs ap travaille dans le monde médiatique haïtien. Organisation ça qui était gain Alter Presse comme premier média li en 2001, t'a pral lancé dans l'année 2015 Alter Radio, deuxième média ça qui t'a fonctionné seulement en ligne pour kounya cap émettre sur fréquence 106.1. Coordonnateur groupe média alternatif là, Godson Pierre,
Te profiter expliquer par Kouyo pendant 17 l'année ça yo et puis diverses réalisations yo fait pendant temps ça. 2018 là, ça fait exactement 17 ans que nous existé avec une mission, une grande mission qui s'est créée et dynamiser des espaces alternatifs de communication pour nous favoriser que population en participer le plus possible dans un processus de développement humain et durable. Et c'est peut-être ça tout. Donc, dans le cadre de mission ça, nous créer des médias. Alter Press c'est youn que nous connaît. Alter Press il a fonctionné depuis janvier 2002, donc il est presque même l'âge avec groupe Média Alternatif lui-même. C'est une agence que on bande monde, tout le monde qui est intéressé à Haïti, je vous dis, on connaît, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger, et qui lui-même travaille en sens pour bail et aspect social en réalité yo mettre accent sur yo, n'est-ce pas, que ce soit mouvement social yo même thématique social yo et acteurs social yo, donc yo gagné un espace. Et même là nous traiter de l'actualité en général, mais nous traiter avec vision ça, avec point de vue ça, avec angle ça. Nous travaille dans rencontre avec secteur social yo, expérience particulière nous, que ce soit la radio Haïti pour certains, que ce soit la télé Haïti pour d'autres, radio Kiskeya et radio Soleil, nous avons tout parcours ça, y compris le travail direct avec secteur social yo, dans le travail d'éducation populaire, de communication populaire. C'est toute expérience ça que nous venons mettre ensemble qui fait que en 2001 nous dit que nous pral essayer créer une association, un groupe qui lui-même capable porter une tonalité différente dans le milieu médiatique haïtien. En plus créer un espace communication avec information dans la société haïtienne. Groupe Média Alternatif permet de apprendre en pile dans le domaine technologie, d'après Godson Pierre, qui t'a expliqué l'importance de nouvelles technologies à gagner dans le monde médiatique. Nous travaillons au niveau de la communication en général, que ce soit par exemple sensibilisation sur les enjeux de la technologie. Ça, c'est un travail que nous faisons pendant longtemps et que nous continuons à faire, c'est-à-dire pour faire mon intérêt. Travail avec technologie, yo, sensibiliser moun sou yo, et même et développer des modules de formation pour jeunes sous comment pour appréhender technologie, qui avantage internet là, qui côté que yo ka joine ça au besoin, comment le capable utile yo. Nous faisons tout un travail sur ça. Et en même temps tout nous travaillons avec associations yo, ONG, etc. pour y avoir propre possibilité de communication par eux, développer des systèmes de communication. Donc, c'est tout ça que nous faisons. Et c'est ça que fait, au fur et à mesure, Groupe Média Alternatif vient une association et un organisme qui travaille en pile, l'appui société civile là, dans le domaine plaidoyer et dans le domaine communication en général. Nous prévoit donc développer le plus possible et Alter Radio, mais tout système de communication et d'information que nous avons travaillé avec eux. Et une stratégie, nous, c'est que nous branchons technologie. Et pour nous, si pas de développement technologique qui gagne aujourd'hui, en révolution technologique qui gagne aujourd'hui, il y a pile bagaille que nous avons fait, nous pas qu'à faire. Nous avons rappelé, Godson Pierre, pas seulement journaliste qui déprend l'initiative de lancer Groupe Média Alternatif. Il était gagné avec lui, Vario Serran, un journaliste de carrière et puis consultant en communication, et Ronald Colbert, un journaliste professionnel et puis consultant en communication. Responsable Haïti Cyber Security Conference a paré pour organiser deux journées d'activité dans Port-au-Prince sous sécurité informatique. Activité ça a cap déroulé dans l'hôtel Marriott 20 ak 21 octobre à permettre aux participants de faire connaissance ak divers thèmes qui concernaient questions sécurité sur Internet d'après initiateur activité ça Blaise Arbouet. Nous invitons à suivre un extrait. Nous voulons assurer nous que nous, à travers deux jours de conférence que nous avons gagné le 20 et le 21 octobre 2018, pour nous sensibiliser la population, en participant en particulier, pour connaître exactement comment nous assurer, qui j'en ai, comment nous traiter, comment nous répondre à eux. Et en plus,
qui opportunité gain tout pour jeunes yo, parce qu'en général comme ça on métier qui est en pleine expansion, donc il y a pile possibilité tout, c'est-à-dire l'empire a fonctionné, il attaque en réseau, c'est parce qu'il développait à petit peu pour permettre d'attaquer réseau à tout. Donc rôle nous tout, c'est que nous devons développer même concept ça qui est dans tête là, comment nous même n'a répondre. Donc pour apprendre à répondre à attaque ça, tout ça veut dire faut former. Donc c'est une belle opportunité pour des professionnels qui sont déjà en informatique comme aussi des étudiants pour développer des compétences pour permettre que nous répondre à genre de problème. Donc thématique qui a pas abordé dans la conférence c'est qui est ce alors, nous avons un ensemble de thématiques pour 2 jours. Chaque jour nous avons 6 à 7 conférencier, des fois c'est des panels, donc à discuter de tout enjeu ça. Bon, si d'après par exemple la première journée, nous avons un panel qui parle parler de femmes et cybersécurité, étant donné que métier TI autour, au départ, femmes n'ont pas de préemplation en pile là-dedans autour, donc c'est une opportunité tout pour femmes, par exemple, qui ont développé des compétences en informatique au départ, pour rejoindre les hommes aussi au niveau de la cybersécurité, parce qu'il y a une place surtout, il faut qu'on développe un petit tout à pour rentrer tout. Donc un panel comme ça. L'autre panel qui est intéressant, tout, c'est cyberlégislation au regard de la législation, cybersécurité au regard de la législation haïtienne. Tout le monde doit participer parce que tout simplement ça concerne tout le monde. Mais nous ciblons directement les étudiants parce qu'ils ont un devenir, ils ont un développement, ils ne vont pas prendre des bagages, donc ils doivent développer compétences là-dedans tout. Tout à l'heure, on parlait de parents parce que tout simplement, parents, ils doivent comment ils utilisent les technologies pour accompagner Timonie. Nous parlons de responsables, organisations privées et publiques et tout. Parce que ça concerne eux, par exemple, là, ou qu'à directeur d'entreprise, mais si vous ne comprenez pas qui problème qui pose en utilisant les outils technologiques, donc ou pas, ou, stratégiquement, by organisation en direction, on est le conseil de monsieur. Nous parlons de professionnels TI, tout, par exemple, étant donné que la cybersécurité sont quand même au domaine qui est récemment développé au cours des 5-10 dernières années, donc il y a un peu de monde qui était informaticien depuis longtemps, qui t'a dû aussi venir faire un rafraîchissement, si on t'a dit, de niveau que vous avez, donc les conseils de autres. C'est gratuit. L'autre point, dans le cadre des projets RECEPAG 2, Alliance Agricole Internationale AAI, commémoré Journée Internationale Femmes Rurales, vendredi 12 octobre qui s'est passé à, sous thème Femmes Paysans, c'est poteau mitan l'agriculture. Cérémonie réalisée dans la localité Pandiassou, département Centre-Pays, avec participation représentant diverses institutions partenaires programmes et puis autorités locales. Nous invitons à suivre un compte rendu. Présentation diverses activités réalisées dans le cadre projet renforcement service public agricole 2 à RECEPAG avec nouveaux métiers arrivés à prendre coup pratique phytosanitation. C'est quelques moments forts qui étaient marqués commémoration journée internationale femmes rurales dans le département Saint-Lan. Je ne sais pas comment pour me traiter bras patates qu'on y a à cause des RECEPAG. Je ne sais pas comment pour me traiter bras patates à cause des champs écoles. Qu'on y a qu'à faire n'importe jardin pour compte moi et me préparer compost. Donc pour information nous pour aider l'autre monde dans la caille surtout des parfois plantes qu'on a malade nous pas de compte qui forme maladie yoyé. C'est ouais nous ouais maladie sur planter qu'on a depuis nous ouais qu'importe qualité tâche nous connaît ça c'est médio ça c'est soleil ta famille solanaceo nous connaît qui ça pour nous faire bio et nous connaît insecticide pour nous préparer nous connaît tout ça et puis tout nous connaît pile et non virus et cap bail maladie champion champion tout cap bail maladie ça et puis nous connaît qui ça pour nous préparer pour nous aider peut-être dans zone là sorti en bas ça était première fois responsable Alliance Agricole Internationale dans ceci, agronome Robens Andressi, fait connait journée ça a été fait tout pour saluer rôle femme ça yo dans vie communauté a et rappeler que c'est un maillon fort dans chaîne agricole là. Son initiative de l'Alliance Agricole pour valoriser implication mesdames yo dans secteur agricole là lui-même dans toute activité qu'a fait dans secteur agricole là, mais particulièrement dans ça que Alliance Agricole lui-même l'a fait dans cadre mandat que le ministère de l'Agriculture Bali pour lui exécuter projet ça qui c'est incitation agricole et mise en place de champs écoles paysans. Dans toute phase production agricole là, nous joignons depuis dans planification yon campagne agricole, nous joignons dans des travaux de préparation de sol pour faire agriculture, nous joignons dans préparation de semences, nous joignons dans fait semis, dans fait plantation, yon dans entretien, activité travaux de saclage qui gagne dans cadre entretien jardin yo, récolte là
c'est surtout eux-mêmes. Commercialisation, c'est eux-mêmes qui font. Ouais. Conservation, produits qui récoltent, c'est eux-mêmes qui font. Donc, dans toute chaîne de production, où jouent mesdames. En plus, opportunité pour célébrer journée ça qui fait pour eux, participants qui ont eu l'occasion de faire échange avec responsable Alliance Agricole Internationale, sous qui j'en protection environnement, car renforcer récolte, il y a fait chaque année. C'est chaque 15 octobre, Nations Unies célébrer journée internationale femmes rurales. Initiative Kazir nan tête collée ak plusieurs organisations parmi yo Croix-Rouge haïtienne ak PNST a organisé samedi 20 octobre la yon collecte nan collège Saint-Pierre sous champ de Mars. Nan sens sa président conseil administration initiative Kazir la Schulz Saint-Psy Kazir invité grand public la vin fait don san yo. Samedi 20 octobre, ça, initiative Kazir, PNST, plateforme Courir la vie, avec plusieurs autres organisations, même en quinzaine, a organisé ensemble une collecte de sang. Collecte de santé doit faite dans l'église Mormon qui tout près Kafoutifoua, même le fait tout le monde connaît que la fête dans le collège Saint-Pierre sorti 9h pour arriver 3h. Thème lancé, un petit goût de sang qui a évité gros de l'onanger. Je dis à l'kapa ou même, l'kapa ou famille, mais on joue ou ka besoin de sang. Et moun ki besoin, je dis à, son compatriote nous. Nous t'étant de dernièrement, après passage tremblement de terre dans Grand Noir, te gen en pile de mode. Parfois, gen moun ki kon a pas couché, nous t'a dit ou mourir pour problème sang. Donc, son problème qui concerne nous chaque, son geste l'amour et son geste que nous chaque nous t'a dû faire en tant que citoyen. Gen un pile cliché sous question bay ça. Gen moun ki ka di ou batnay, gen soit fatigué etc. Mais meilleur moun ki capable di ou si ou capable bay ça, c'est infirmière programme national sécurité transfusionnelle, c'est infirmière la Croix-Rouge qui a là sous place dans collège Saint-Pierre. Moi invite nous chaque fait déplacement, c'est sorti 9h pour arriver 3h. C'est le moment pour nous prendre une troisième et dernière pause nous dans le téléjournal à Soya, nous retourner. Notre Bodlo, après plusieurs mois de négociations, direction avec un syndicat compagnie Air France, signé vendredi 19 octobre, il y a un accord pour monter salaire 2018 à 2019. Là, signé un accord sur augmentation salaire concerné toute catégorie personnelle compagnie Air France. Accord ça a mis un bout à un conflit qui te mettait en face personnel avec un responsable depuis plusieurs mois. Un conflit qui te mené premier 6 mois dans une série grève qui coûtait compagnie en cher plus passé 300 millions d'euros. Président américain Donald Trump pour première fois admettre jeudi 18 octobre la probabilité pour journaliste saoudien Jamal Khashoggi perdu la ville. Cependant, États-Unis décide de bailler un délai en plus à Arabie Saoudite pour expliquer disparition journaliste là, yoté connait pour franc parler qui était pour exil dans pays États-Unis dans l'année 2017. Washington pour kounye a capitaine enregistrement Turquie gen sous dossier qui c'est seul moyen qui a prouvé assassinat journaliste là. Toujours l'autre bord de l'eau, candidat parti travailleur Fernando Haddad accusé adversaire Jair Bolsonaro pour être l'étape fait une campagne diffamation contre lui sur WhatsApp dans cas d'élection présidentielle dans le pays Brésil. Représentant extrême droite là démenti déclaration ça yo. Betty Raphaël. Dans 10 jours encore, c'est pour le deuxième tour élection présidentielle dans le pays Brésil. Candidat parti travailleur Fernando Haddad accusé adversaire représentant extrême droite là Jair Bolsonaro d'après lui monter en campagne illégale faux information sur WhatsApp. D'après Fernando Haddad, c'est une organisation criminelle Jair Bolsonaro t'a financé avec l'agence sale. D'après journal brésilien Folha de São Paulo,
entreprise yo financé un paquet de messages contre parti travailleur et puis fait propagande pour parti extrême droite là avant premier tour 7 octobre passé. Société yo a acheté contrat qui a coûté jusqu'à 2,8 millions d'euros. La loi électorale pays Brésil interdit entreprise yo financé campagne électorale. Dans live Facebook jeudi 18 octobre là, Bolsonaro démenti déclaration ça qui fait quoi la simaye mauvaise information avocat candidat nié accusation ça yo tout. Malgré nouveaux manifestations qui dénoncent les possibilités pour un dictateur militaire tâtonné dans le pays Brésil, Jair Bolsonaro passe suspend monter dans le sondage pour qu'on y ait à 59% voyou. À partir de la semaine prochaine, chef gouvernement Jean-Henri Séan a gagné une conférence chaque jeudi qui porte le nom Jeudi Petro pour informer sur avancée dossier Petro-Caribéa selon secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis. Sénateur Sud-Est-là, Diopi Chérubin, lancé un appel par collègue sénateur Lio pour venir travailler semaine prochaine dans le Parlement. Selon élu Sud-Est-là, il y a plusieurs jours, pas de séance dans le Sénat République-là. Tout élève dans la zone tremblementaire 6 octobre a été touché déjà tourner l'école. C'est déclaration ministre de l'Éducation et formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Kader fait connaître pendant le préciser qu'il y a une disposition qu'il prend pour reconstruire plusieurs lycées dans la capitale là qui étaient écrasés pendant le tremblementaire 12 janvier 2010 là. Pour dernière semaine avant célébration journée langue et culture créole là qui prévoit fête dans ville Gonaïve 28 octobre Cap Vinila, Académie créole haïtienne a annoncé un ensemble activité culturelle journée ça a déroulé sous thème tant que toute langue créole gain règle en nous respecter. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump pour première fois admet jeudi 18 octobre la probabilité pour journaliste saoudien Jamal Khashoggi perdu la ville. Cependant, États-Unis décide de bailler un délai en plus à Arabie Saoudite pour expliquer disparition journaliste là. Merci à vous-même qui t'es prêté nos attention pendant tout téléjournal là. Merci à toute équipe là qui t'es rendu journal ça possible. Nous souhaitons passer un très bon week-end en compagnie Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8.